Salut à tous, c'est Zoé et cette semaine je vous embarque avec moi en Lozère pour la fête à Saint-Chély-d'Apcher. Située en Lozère dans le Languedoc-Roussillon, Saint-Chély est une ville qui compte environ 5000 habitants. Tous les ans, lors du premier week-end d'août, a lieu la fête du village. Fête foraine, cortège, concerts et bals dansants. Cette année, c'est un nouveau comité qui reprend la tradition. Et qui dit nouveau comité, dit nouveaux événements. En effet, cette année, le programme se modernise, notamment pour les enfants qui ont pu profiter samedi 6 août des jeux gonflables, jeux au laser game en extérieur, au baby-foot grandeur nature ou encore au bubble-foot. Le comité a fait appel à l'organisme C'est Chouette qui a organisé les activités. On vient chaque année à Saint-Chély, là, depuis pas mal d'années. C'est le comité des fêtes, donc là, en l'occurrence, Festivités Barabande, qui nous convie à venir et à animer voilà, leur fête de village chaque année. On vient entre 3 et 4 heures et voilà, on propose plein d'animations différentes. Néanmoins, pour les Barabans, alias les habitants de la ville, c'est les activités du dimanche qui étaient les plus attendues. Le nouveau comité a apporté beaucoup d'originalité cette année en organisant une course de caisse à savon dans la rue principale de la ville. Les caisses à savon, ce sont des petits véhicules sans moteur, construits et décorés par des amateurs. De 14h à 18h, une vingtaine de petites voitures ont descendu la ville, prenant des tremplins et fonçant dans les bottes de foin. Le tout sous le regard amusé du public. La nouveauté, ça fait du bien cette année. Le week-end s'est suivi d'une exposition de voitures de collection, ainsi que d'un défilé des associations artistiques de la ville. Le public continuera de profiter de la fête foraine jusqu'au lundi 10 août et la ville retrouvera son calme habituel jusqu'au prochain événement.